Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, je vous présente ça. Voilà, c'est la nouvelle Mégane, donc la Mégane e-tech électrique. Donc, on a eu des Mégane e-tech qui étaient hybrides, des Mégane e-tech hybrides rechargeables, donc PHEV, HEV, et maintenant, on a vraiment la nouvelle Mégane qui vraiment redéfinit le style Renault, avec le nouveau logo à l'avant et vraiment tout qui était redessiné sur cette voiture, et cette fois-ci une voiture 100% électrique. Donc on va voir comme d'habitude en détail la voiture. Donc là je vous présente aujourd'hui l'extérieur, l'intérieur, les nouveautés, on parle un petit peu de tout. On va pas pouvoir l'essayer puisque comme vous pouvez le voir on est dans un studio, c'est pas encore sorti à l'heure à laquelle où je vous parle, mais je vous promets un essai très bientôt. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui on en a deux, on a celle-ci donc avec ce beau rouge que j'adore et une nouvelle couleur qu'on va trouver juste derrière. Donc je vous présente un petit peu sur les deux, mais on va voir les évolutions. Donc, concrètement, sur cette nouvelle Mégane, on a le choix entre deux batteries et deux moteurs. Au niveau des moteurs, on aura en puissance 160 kW qui donnera 300 Nm de couple et 96 kW avec lesquels on aura 250 Nm de couple. Au niveau des batteries, on aura le choix entre 40 kWh et 60 kWh. Au niveau des autonomies, en norme WLTP, ça donne pour la 40 300 km d'autonomie et pour la 60 470 km d'autonomie. Au niveau de la recharge, on pourra montrer jusqu'à 130 kW, ce qui permet de recharger concrètement 300 km en environ 30 minutes sur des bornes de recharge rapide, donc avec les prises combo qu'on mettra ici sur le côté. Cette Renault, elle sera fabriquée en France, à Douai, donc pour les batteries, les moteurs et tout sera fait en France. Donc ça, c'est bien puisque du Made in France, c'est ce qu'on aime. Pour une marque française, ça fait plaisir. Elle aborde une nouvelle plateforme CMF-EV donc qui a été développée spécialement pour les nouveaux véhicules électriques, dont cette nouvelle Mégane. Ce qui permet aussi à cette Mégane d'être assez basse, donc c'est plus bas qu'une Zoé. Ici, on est sur un 1,50 m de haut. Sur la largeur, on est sur 1,77 m et 4,21 m de long. On est sur une voiture qui est considérée comme une berline. Ce ne sera pas un SUV, même s'il y a quelques codes un petit peu du SUV, on pourrait se dire on va peut-être confondre, mais non, c'est bien considéré comme une berline cette auto. Au niveau du poids de la voiture, on sera sur 1624 kg, donc pas besoin de se dire tout plein fait, c'est le poids avec les batteries ici. À propos de ces batteries ici, je vous montrerai juste derrière, ils ont développé des batteries qui sont beaucoup plus fines en hauteur, donc seulement 110 mm. On verra à l'intérieur également qu'on a un plancher plat à travers tout l'habitacle, et ça c'est un gros plus. Sur l'avant, comme on peut le voir, des nouveaux feux full LED, donc on est bien sûr vraiment full LED avant, arrière ici. Donc ces feux de jour ici, donc avec cette petite virgule, et des nouveaux feux ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs ici avec des LED. Ce qui permet ici de ne plus avoir de feux anti-brouillard, et grâce à ces nouveaux feux LED pure vision, on pourra aussi avoir un éclairage plus large en ville et des feux qui sont automatiques. Pareil, donc avec le plein phare automatique et adaptatif, c'est un petit plus. On a un dessin qui est bien fait et même sur les feux de jour, on voit qu'il y a vraiment un travail qui a été fait même à l'intérieur ici, c'est plutôt joli. Quand on continue un petit peu plus loin, donc là cette fois-ci, on arrive à ce nouveau logo Renault, donc ça a été présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Première voiture avec le vrai logo qui va être maintenant sur toutes les futures Renault à l'avenir. Une petite caméra ici puisqu'on bénéficiera des caméras 360, on a également des caméras dans les rétros ici et à l'arrière. Sur l'avant, le capot, bon, pas de grosses évolutions, c'est toujours donc un petit peu creusé ici. On a les deux creux de chaque côté. Un petit peu plus bas, donc la plaque, cette grille ici qui est fermée. Là, on a quand même de quoi laisser rentrer de l'air pour refroidir les systèmes de batterie. Des radars, comme d'habitude, de parking. Et là-dessous, malheureusement, on n'aura pas de coffre à l'avant, puisqu'on a tout le système ici pour les moteurs électriques. Et on aura la climatisation également ici et qui ne sera pas déportée à l'intérieur de l'habitacle, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de place dans l'habitacle également. Sur le côté, je change de couleur parce que j'aime bien, on a deux voitures, donc autant en profiter. Donc ça, c'est un nouveau gris
Il y aura 6 teintes disponibles et du biton, comme vous pouvez le voir, du noir là, et la couleur ici, comme on avait sur le rouge également. On a des jantes aujourd'hui en 20 pouces. Alors le 20 pouces est très joli, ça remplit bien large de roue, c'est plus esthétique. On a des jantes qui sont assez pleines, comme vous pouvez le voir, ça joue pour le CX. L'aérodynamique, c'est très important sur des voitures électriques. Tout comme on a sur l'avant, je vous montre là des petites entrées d'air qui ressortent juste ici à l'intérieur des arches de roue, justement pour guider le mieux l'air sur le côté de la voiture, pour avoir la meilleure pénétration dans l'air possible pour pouvoir avoir le maximum d'autonomie. Avec les jantes de 20 pouces, on a un rayon de braquage de 10,60 m, ce qui est mieux que l'ancienne Mégane. Ça, c'est plutôt pas mal aussi pour se faufiler en ville, puisque les électriques, c'est surtout fait pour être en ville de base. Mais avec ces grandes autonomies, petit à petit, on arrive à avoir des autonomies correctes. 470 km, ça devient intéressant. De ce côté-là, donc comme je vous disais, la trappe ici, donc on appuie dessus et on a les deux prises. La prise normale qu'on peut recharger sur tout type de borne ou à la maison, donc grâce à la prise domestique, soit la prise combo avec laquelle on pourra recharger jusqu'à 130 kW. Donc comme je vous disais, en 30 minutes, on arrive à recharger 300 km d'autonomie environ sur les grosses batteries. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries, ça va très vite de recharger par exemple de 10 à 80%, mais de 80 à 100%, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut coller tous les petits électrons et c'est un petit peu plus de temps. Mais souvent, c'est pour ça qu'on a des normes WLTP avec des cycles de recharge, souvent par exemple de 5 à 80%, puisque c'est là où la batterie va emmagasiner le maximum de puissance et on va recharger le plus vite. Et c'est également bien de ne pas charger sa batterie à 100%, puisque c'est comme un téléphone. En fait, lorsqu'on va tout au bout et lorsqu'on descend tout en bas, ça use un petit peu ses batteries lithium. Donc l'idéal, c'est de ne pas descendre en dessous de 10% et pas de monter au-dessus de 80% pour préserver également le cycle de vie de la batterie. Sur l'avant de celle-ci, on peut ici voir qu'on a une nouvelle couleur. Ça s'appelle le Warm Titanium. C'est plutôt joli, c'est une sorte de doré un petit peu champagne qui va très bien avec cette voiture. Ça contraste bien et surtout là, avec les spots qu'on a partout, les petites paillettes sur cette couleur, magnifique. Pendant qu'on est sur l'avant, on a également des caméras là-haut ainsi qu'à l'arrière, donc qui permettent d'avoir toutes les aides à la conduite, donc de niveau 2, avec le maintien dans les voies, le centrage de voie, le régulateur adaptatif, enfin tout ce qui manquait un petit peu à Renault jusqu'à il y a quelques temps. Et là, ça va vraiment mieux marcher puisqu'on a vraiment des nouvelles plateformes et tout est neuf. Et c'est pareil à l'intérieur, vous allez voir, on découvre vraiment un autre univers de Renault. Heureux, switch de couleur. Donc on voit aussi sur les côtés maintenant, poignées qui sont à l'intérieur, donc affleurantes. Et lorsque l'on veut ouvrir, on a la poignée qui s'ouvre ainsi pour ouvrir la porte. Donc ça, on a ça sur les portes avant et sur les portes arrière. On a les poignées juste ici. Ça fait comme sur la Zoé, mais ça fait beaucoup plus qualitatif. Là, on a une belle barre ici. Pas de plastique moche, c'est peint, c'est laqué, c'est brillant. C'est plutôt sympa. Hop, il faut bien la claquer. Donc l'arrière qui descend de cette façon, un petit peu coupée avec ces petites vitres ici. Plutôt agréable, l'antenne requin là-haut. Ça, c'est un vrai plus. On a ici des renforts en plastique qui sont gravés au laser pour avoir ce petit rendu ici rainuré. Très sympathique, c'est plein de petites touches de détails qui manquaient sur beaucoup de Renault qu'on retrouve là maintenant. Pareil, là, tout le tour ici qui est peint en noir, donc c'est pas du plastique, là ils sont vraiment jolis. Petit capteur également ici et je vous montrerai l'arrière juste à l'instant. Sur l'arrière, on retrouve donc également le nouveau logo et donc là, ce qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de voitures premium, le grand bandeau lumineux qui traverse toute la voiture. Pareil, à l'arrière, du full LED et surtout des nouveaux feux ici, très sympathiques avec le clignotement défilant avant et arrière. On trouvera toujours le troisième feu stop ici, une toute petite vitre, regardez, ça fait ça de haut. On va voir à l'intérieur si on a une bonne rétrovision. Donc ce nouveau logo, comme je disais, et le Mégane ici qui change avec le E qui est différent des anciennes Mégane. Le petit bouton ici. Pour ouvrir le coffre, hop, donc c'est une impulsion électrique, mais on n'a pas de haillon électrique. Et dans le coffre, donc regardez, on a un coffre ici qui est très profond. Juste en dessous, on a un petit bac spécialement fait pour les câbles qui descend vraiment jusqu'à tout en bas du plancher. Ça, c'est pas plus mal. Alors, dommage qu'on n'ait pas de coffre à l'avant, mais ils ont quand même pensé à avoir un espace rangement pour les câbles, parce que pareil, souvent les câbles, ça dort dehors, etc. Donc, le fait de ne pas avoir à mettre ça sur le tissu de la moquette, c'est quand même un avantage. Au niveau du coffre, on a un volume de 440 litres. Donc 440 litres pour vous faire une idée. Hop, est-ce que ça rentre? On est pas mal, il y a de la place. Je pense que je pourrais même refermer. Bon, et regardez, lorsque je suis comme ça, pour vous donner la profondeur, il y a quand même pas mal de place. On a deux poignées sur les côtés pour refermer ce coffre.
L'arrière ici, donc aujourd'hui on n'a pas de plastique sur les voitures, tout est peint, c'est plutôt joli, un petit rappel avec la couleur carrosserie. Ici, et pareil, donc là la couleur du E ici, c'est le warm titanium qu'on a sur la voiture d'à côté. La plaque, la petite caméra de recul, donc comme je disais, il y a la caméra 360. Ici, effet anti-brouillard arrière, et voilà pour l'arrière. Pendant qu'on est sur l'extérieur, ici on pourra rajouter un attelage qui permettra de tracter jusqu'à 900 kg. Et là-haut, on pourra ajouter des barres de toit qui pourront permettre de supporter jusqu'à 80 kg. Bon, on passe à l'intérieur ? Alors, on va aller faire un petit tour à l'arrière de cette nouvelle Mégane. Hop ! Donc, ce qu'on voit direct, c'est ce grand plancher plat. Et on a un petit peu cette sensation d'espace ici. Hop, ma portière. Alors, ce que j'aime bien tout de suite, c'est cette finition un petit peu typée bois, là, avec des sortes de pixels. C'est découpé en carré et ça nous donne cette sensation. C'est plutôt agréable. Alors ici, hop, les sièges sont plutôt confortables, donc là on a une finition haut de gamme hein, sur celle-ci. On est plutôt bien installé. Les sièges ont l'air d'avoir un bon maintien ici à l'arrière. J'ai mon petit accoudoir ici, donc avec une sorte de simili-cuir. C'est plastique un petit peu partout. On a une petite moquette dans les portières ici pour ranger des bouteilles ou autres. Donc ça évite qu'il y ait du bruit. J'ai de la place pour les genoux, donc comme je disais, j'ai mon grand plancher plat. On a deux poches ici dans les sièges avant. On a des nouveaux appuis-têtes. Pas mal. Au niveau de la tête, j'ai de l'espace. Ça va. Moi, je fais 1m80. Alors, en me mettant vraiment droit, j'ai les cheveux qui touchent légèrement là-haut. C'est pas trop mal. Pas d'accoudoir ici. Cette place, alors, ce qui est bien, donc le plancher plat, ça permet de pouvoir mettre n'importe qui, n'importe où. Bah, je suis pas mal. Franchement, pareil, au niveau de la tête, j'ai assez de place. C'est agréable, c'est confortable autant au niveau des fesses qu'au niveau du dos. C'est plutôt moelleux. J'ai les ceintures qui sont un petit peu sur le côté, mais comme elles se déplacent, elles ne me gênent pas. Donc, petit avantage ici à cette voiture. Et c'est vrai que le plancher plat, gros avantage ici. On a des fixations ISOFIX ici, là, donc sur les deux, top taser également. On a deux ports USB-C ici à l'arrière. Ça, c'est les nouveautés aussi. Un petit aérateur pour avoir la clim ici. On est plutôt bien, franchement, c'est agréable. Alors, on sent un petit peu enfermé, bon, on est dans un studio, mais la fenêtre ici, alors, elle se referme un petit peu sur l'arrière, mais je me sens plutôt bien. Bon, après, c'est un petit peu sombre, moi j'aime bien les intérieurs un petit peu plus clairs. On se sent bien. Allez, on passe à l'avant. Donc, avec ces nouvelles poignées affleurantes qui s'ouvrent lorsqu'on s'approche de la voiture, et je vais venir m'installer ici, et waouh! Ok, ça n'a plus rien à voir avec une Renault de nos jours. Franchement, waouh! Il faut vraiment que je vous montre point de vue d'ici. Là, c'est pour vous montrer rapidement à quoi ressemble ma position de conduite. Mais comme on peut le voir, ici, cette sorte de grande console flottante, on a de quoi charger les smartphones ici. Enfin, je vais vous montrer d'ici, mais ça n'a vraiment plus rien à voir avec une Mégane. Là, on se dit, ok, c'est technologique. Ok, enfin, un effort qui est fait. Bravo! Franchement, je trouve ça vraiment top. Donc ma position de conduite, j'ai des sièges électriques, donc hop, réglable en hauteur, en avance, en inclinaison. L'appui-tête, lui, par contre, est réglable manuellement. Et ici, des petites palettes derrière, je vous montre tout ça, vu d'ici. Mais on est bien quand même. Alors, nous voici à bord de cette Mégane. Regardez à quel point ça n'a rien à voir avec une Mégane d'avant. C'est juste super, vraiment. Là, j'ai vraiment l'impression d'être passé dans une voiture de 2021. Un grand écran là. Console flottante comme ça, c'est moderne, c'est design. Le volant, regardez, ça n'a plus rien à voir avec les autres. J'ai l'impression, j'ai récupéré une Audi ce matin, et elle a le volant un peu de cette sorte avec le double méplat ici. Et pareil, donc là, on voit que les touches, ça a vraiment fait un gros bond en avant. Donc comme d'habitude, je vous montre le côté. Donc on a toujours ici les touches pour les fenêtres, donc avec l'impulsion sur les quatre fenêtres, ça c'est pas mal. Rabattre les rétros, régler les rétros ici. Une nouvelle poignée là, qui est plutôt jolie, bien intégrée, en noir, c'est sympa la finition. On a de l'éclairage là, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir là, qui fait le tour de l'habitacle, donc qui va se replonger ici et dans la portière là-bas, qu'on pourra régler sur 48 couleurs. Cette finition dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec cette sorte de bois et ces petites finitions en sorte de pixels. Ici, on a du plastique. Là, c'est moussé ici. Là, cette finition en cuir ici est surpiquée. Les portières avec la moquette à l'intérieur pour le bruit, ça c'est top. Des enceintes. Donc, on a un nouveau
kit d'enceinte, donc on a de la Sono avec 410 watts et 9 haut-parleurs. Sur le côté ici, ça c'est pour le changement de ligne. Si vous ne mettez pas les clignotants, ça vous prévient. Donc le maintien dans les lignes, désactiver l'ESP, la commande ici, donc on monte, on descend de cette façon pour l'éclairage du tableau de bord, le frein de parking, le auto-hold, le volant qui est réglable ici en profondeur et en hauteur. Donc ça, c'est top. Derrière, aérateur, franchement, tout nouveau design. Ouais, j'aime bien. L'impression que ça monte. Ah, j'aime bien comment ça bouge. On a la sonorisation Harman Kardon ici. Là, donc, cette forme de bois là qui fait vraiment tout le tour de l'habitacle. C'est assez sympa. Le volant, on commence par le volant. Pareil, nouveau logo Renault ici. Donc là, c'est laqué, c'est joli. Le multisense, vous savez, cette touche qu'on avait souvent ici, par là avant, elle est passée ici ou qu'on avait sur certaines Renault à cet endroit-là pour personnaliser les modes. Donc par exemple, le mode confort, le mode sport, etc. Il est passé ici. Le régulateur ici avec toutes les aides à la conduite, donc de niveau 2, centrage de voie, régulateur adaptatif, tout est là. Limiteur également. À droite, toujours commande vocale, décrocher au téléphone, le son, la touche favorite, view, je pense que ça va être pour changer l'écran ici, comme on retrouve chez Audi par exemple. Donc on peut changer de vue ici, c'est plutôt réactif, l'écran est magnifique en GPS. Donc voilà les différentes vues qu'on a. Derrière, on a ici les feux, donc qu'on peut activer de cette façon. On a bien sûr les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, les clignotants. Ça, c'est le bruit du clignotant. Il est agréable, j'aime bien, bel effort. À droite, donc, on a ici les essuie-glaces et à l'américaine, ici, comme chez Mercedes, pour passer en drive vers le bas, en parking ici, reculer vers le haut et neutre, on revient au milieu. Derrière le volant, on a des palettes pour pouvoir avoir le freinage régénératif, juste ici, sur plusieurs niveaux. Donc malheureusement, on ne peut pas la conduire aujourd'hui, mais on l'essayera très prochainement, dès qu'elle sortira. Renault. Pourquoi ? Vraiment ? Toujours ce petit commodo ici pour le son. Bon, il est plus beau que dans certaines, mais c'est toujours lui. On ne le quittera jamais celui-ci. Un deuxième aérateur, la touche power ici pour démarrer le véhicule. Et cet écran, regardez-moi cette télé. Il est sublime. Alors j'aime bien, c'est noir, avec l'ambiance thème noir, c'est superbe. Alors, caméra 360 par exemple ici. Là j'ai la porte ouverte, sinon on aurait cette partie. Ouais, la qualité est bonne, hein. Ça fait plaisir. Donc après, en gros, c'est un smartphone et on a surtout l'Android qui est intégré à cette voiture. Donc on peut avoir les commandes vocales, etc. sans connecter son téléphone. Donc on a Maps, tout qui est intégré à cette voiture sans avoir à connecter son téléphone et les commandes vocales. On a l'Apple CarPlay, l'Android Auto également. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc par exemple, Google Maps, je l'ai ici sans avoir connecté mon téléphone. Et ça, c'est la vie parce que moi, j'utilise que Google Maps. Regardez, l'écran est franchement très très réactif. Je peux revenir là, hop, les médias. Donc j'ai par exemple mes stations de radio, le téléphone. Donc là, j'ai pas de téléphone de connecté, mes applis ici. C'est franchement bien. Je peux éteindre ici. Donc ce que je veux éteindre, ouais, c'est pas mal. Regardez, il y a un truc qui est top aussi. Je vais régler mon siège. Donc j'avance mon siège, ça me le met ici. Et au bout d'un moment, ça va me demander si je veux enregistrer ma position. Alors est-ce que ça va me le refaire? Voilà, est-ce que vous voulez enregistrer votre position avec les sièges électriques? Plein de petites astuces comme ça, c'est vraiment très sympa. On a ici, donc on a des notifications, ça marche vraiment, en fait, comme un smartphone. Hein. C'est vraiment, vraiment bien, bravo, parce que c'est même mieux que chez d'autres marques premium, je trouve. Là, gros bond en avant. En plus de tout ça, on a le parking automatique, l'audio, le driving, les services pour pouvoir recharger. Et par exemple, lorsqu'on va se mettre une destination, imaginons que je souhaite aller, je sais pas, tiens, Bruxelles. Hop, est-ce que ça va me le faire directement? Donc, 3 heures et je vais arriver avec 0% de batterie. Donc, là, ça me dit avec Google, arrêt pour recharge. Je dis démarrer et ça va me donner les arrêts pour recharge sur le chemin directement. Donc ça, c'est intégré à Google Maps. Google Maps, pour moi, il n'y a rien de plus fiable. Donc, ça me dit, voilà, le détour, il y aura 3 minutes à faire de détour, 6 minutes à faire, et ça me donne les bornes de recharge. Donc, concrètement, je vais pouvoir aller jusqu'à quasiment ici, là, à la frontière de la Belgique, et ensuite, une petite recharge, ce qui me permettra d'aller jusqu'à Bruxelles.
Au niveau des autres options, comme c'est une voiture électrique, alors comme on le sait sur les voitures électriques, la climatisation consomme énormément. Donc on a bien sûr le volant chauffant ici et les sièges chauffants conducteur et passager. On pourra régler la clim en bizone. Au niveau des écrans, on a un 12,3 pouces ici et un 12 pouces ici. Donc celui-ci, c'est l'option haut de gamme. Sinon, il existera avec un écran un petit peu plus petit. En dessous, le bloc clim. Ici, le chargeur par induction pour votre téléphone. Vous avez juste à le poser là. Et pareil, on peut avoir l'Android Auto et l'Apple CarPlay sans fil. Donc, plus besoin de fil. Chargeur induction, vous posez votre téléphone. Ça charge et vous connectez avec l'écran. À droite, donc, on continue la planche de bord ici. Deux aérateurs là. La boîte à gants qui s'ouvre juste ici. Assez spacieuse. Plus bas. Donc, on a ici, comme vous voyez, cette console flottante. Avec grand bac de rangement ici. Grand bac de rangement ici. Petit porte-gobelet là. Petit rangement ici. Petit rangement ici également. Rangement ici. Donc là, regardez tout ce que vous pouvez stocker. C'est vraiment impressionnant. Là, on peut même mettre des grandes bouteilles. C'est l'idéal. Ici, alors comment ça s'ouvre? Hop, en appuyant. Donc ici, on découvre en soulevant qu'on a deux prises USB. USB type C. Et ici, un grand rangement qui va jusqu'au bout. Les nouveaux sièges de cette Mégane ressemblent à ça, donc avec cet appui-tête qui ressemble un petit peu à la Clio, donc avec cette sorte de virgule, et ce matelassage ici, très sympathique, avec des petits rappels ici, de couleurs comme à l'extérieur, avec le Warm Titanium. Là, pareil, on sent que c'est confortable. Là, on sent les doubles bombages, plus cet endroit-là. Franchement, bien joué. Et là, ici, un rétroviseur. Donc borderless, ça j'aime bien. Et surtout, c'est un écran. Donc là, ici, on a un écran. Donc là, puisqu'on a un mur blanc derrière, c'est normal que ça reste tout blanc. Mais si quelqu'un passe, on le verra passer ici. On peut régler, bien sûr, la menu, hein, tout ça, donc l'inclinaison, etc. Comme une télé. Ici, pour vous prévenir, les airbags, etc. La touche SOS un petit peu plus haut. Ici, les lumières qui fonctionnent grâce à du sensitif. C'est plutôt pas mal. Là, on a de la LED, LED blanche. Parfait. Par rapport aux batteries, donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, comme on peut le voir ici, on a une très faible épaisseur, seulement 110 mm, grâce à des batteries super fines intégrées dans ce plancher. Autre spécificité dans le plancher, ici, ils ont mis une mousse spécifique pour pouvoir avoir une insonorisation bien meilleure. Donc, c'est situé juste en dessous et ça permet d'avoir moins de bruit de roulement dans l'habitacle. On trouve ici, donc, cette nouvelle plateforme, donc ce nouveau châssis de la voiture. Donc là, on se trouve sur l'avant qui intègre le moteur et le système qui va permettre de motoriser tout ça. Donc le moteur se trouve ici. C'est pour ça qu'on n'a pas de coffre à l'avant. Donc le capot passe juste au-dessus, ainsi. Et sur le côté, on peut bien voir donc le système de batterie. Et donc toutes les batteries se trouvent là. Donc c'est cette partie bleutée. Et pareil, donc là. Et regardez la finesse. Donc c'est ça le gros avantage de cette nouvelle plateforme CMF EV. Donc avec les roues aux quatre coins. Ce serait marrant de se mettre juste un siège là et un volant. J'aimerais bien essayer ça. Bon, bah au final, comme je disais, on a pu noter vraiment une belle évolution. Donc, je pourrais normalement la tester avec les autres journalistes en début d'année. Il y aura sûrement des précommandes avant la fin de l'année. Et ça sortira vraiment en concession normalement aux alentours du salon de Genève, donc vers mars par là, pour pouvoir les voir sur la route. Ce sera normalement bientôt, donc en 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment une réelle évolution par rapport à l'ancienne Mégane ou pas? Moi, je trouve qu'il y a vraiment un vrai bond en avant. À bientôt sur la chaîne Mécanique Sportive. Ciao.